Il y a ce livre-là, Un père idéal, qui est sorti il y a à peine quelques jours, qui est le deuxième livre de Paul Cliff, qui est un auteur néo-zélandais, qui parle de sa ville de Christchurch et qui donne une vision de la Nouvelle-Zélande qui est très différente de ce à quoi on pourrait s'attendre, très sombre, très violent. Et ce deuxième roman est presque plus virtuose que le premier, mais peut-être avec moins d'humour noir. Il est vraiment très très sombre. Mais on retrouve cette espèce d'écriture très acérée, cette distance et en même temps cette espèce de force narrative. C'est un bouquin vraiment assez addictif, quoi. Et donc nous, c'est un auteur auquel on croit beaucoup. Là, on publie le deuxième, mais on prévoit d'en publier d'autres. Le premier, c'était Un père idéal, qui est aujourd'hui disponible en poche.